Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Benoliel, j'ai grandi à Martigues, la célèbre Venise provençale. J'ai commencé l'écriture à l'adolescence, j'écrivais plutôt des textes de chansons hein, qui étaient assimilés à des poèmes, donc c'était de la poésie. J'ai fait pas mal de concours à cette époque, donc j'ai été primée. Je me suis un petit peu essayée à l'écriture de nouvelles. Et ensuite, donc, la vie a suivi son cours. J'ai fait ma vie professionnelle. J'ai travaillé comme présentatrice événementielle. Donc, j'étais souvent sur les routes. Donc, j'ai un petit peu abandonné l'écriture. C'était entre parenthèses pendant de longues années. Ensuite, tout a changé quand j'ai eu un ordinateur portable qui m'a permis, le soir à l'hôtel, pendant que j'étais en déplacement, de me remettre à écrire. Et j'ai commencé donc mon premier roman, Entre deux mondes. Alors, ça me correspondait un petit peu puisque j'étais souvent entre deux villes. Ensuite, j'ai eu une panne informatique, j'ai perdu mes 18 premiers chapitres, donc ça a mis un gros frein à ma créativité. Donc j'ai arrêté l'écriture pendant plusieurs années. Et ensuite, je me suis installée en Ardèche, là où je vis désormais, à côté d'Aubenas. Donc je suis tombée amoureuse de la campagne et de la vie qu'on peut y trouver. Bon, Martigues restera toujours chère à mon cœur, mais je suis entre deux villes en fait, hein, entre deux régions, entre l'Ardèche et Martigues. Et donc tous mes romans d'ailleurs s'y déroulent. Alors j'ai réécrit Entre deux mondes, j'ai fait une suite, donc j'ai intitulé ma série Monde parallèle, et j'ai donc le troisième tome qui est en cours de réalisation actuellement.